Alors, je resélectionne mon objet. Je suis spécifiquement en train de travailler sur le fond en dégradé ici. Je vais modifier la transparence de ce fond en allant dans la palette Transparence. Donc, menu Fenêtre, Transparence. La palette Transparence est là. Là, vous avez un espèce de masque de fusion, mais il n'y en a pas pour l'instant sur l'objet, mais c'est là que ça se fait. Pour ceux qui ne connaissent que la technique du masque d'écrêtage dans Illustrator, il faut savoir qu'il y a beaucoup mieux qui est apparu depuis lors. Mais on ne va pas le faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur l'objet tout simplement et de changer son mode de fusion. Enfin, le mode de fusion surtout du fond qui est actuellement précisé là. Parce que si je voulais que tout l'objet, travailler sur tout l'objet par rapport à ce qu'il y a derrière éventuellement, je serais en mode tracé ici, mais là je veux le faire sur le fond là, pour qu'il se mélange avec le motif derrière. Et vous choisissez par exemple produit, éclaircir, etc. Donc on mélange le dégradé avec le motif d'en dessous. Donc tu dis que chez toi on voyait encore les formes par en dessous, il y avait déjà un mélange, c'est parce que tu as sans doute choisi un dégradé qui a de la transparence. D'ailleurs, tu peux le vérifier facilement en allant dans la palette ici, en cliquant sur les différents indicateurs, tu verras qu'il y en a certainement certains qui ne sont pas à 100% de transparence, d'opacité. Ceci dit, je peux le faire aussi. Voilà, donc je suis allé voir chez toi et le problème, c'est que tu avais mis le dégradé en dessous du fond. Tu avais modifié le mauvais fond. Nous, on a tous un dégradé au-dessus du motif et toi, tu avais le dégradé sous le motif. Et comme tu avais un motif avec de la transparence, on voyait le dégradé à travers. Bon, mais ça, c'est bien aussi, hein, en fait. Alors, il faut savoir que ceci, c'est assez complexe. Tous les paramètres qu'on a là, c'est, autrement dit, c'est difficile, une fois que vous voyez quelque chose qui vous plaît, c'est difficile de retrouver la même chose par la suite. Quand vous avez modifié les choses. Si je trouve que ça c'est bien, surtout je vais faire attention de ne pas le perdre et de le garder pour la suite, mais malgré tout je vais continuer mes recherches. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien en enregistrant sous un nom différent le fichier, c'est une des solutions. Voilà, j'enregistre sous le nom B09 ici chez moi, ok. J'enregistre à nouveau sous le nom B10 maintenant. Je sais que dans le B09, si jamais au bout de mes recherches j'arrive pas à faire mieux que ça, je fais même pire, eh bien, je n'aurai qu'à réouvrir le B09. Parce que si j'espère retrouver cet effet-là par la suite, c'est pas possible, c'est trop complexe. Il faut, faut pas espérer. Bon, on peut aussi dupliquer des calques, on peut aussi utiliser les styles graphiques. Il y a d'autres manières pour stocker ce qu'on fait là. Mais faisons au plus simple maintenant.